Today's Golden Age technology will be presented in French with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Téléspectateurs éclairés, bonjour et bienvenue dans la technologie de l'âge d'or sur Supreme Master Television. L'émission d'aujourd'hui présentera la première partie d'une série de deux épisodes sur l'architecte visionnaire belge Vincent Callebaut, dont les conceptions avant-gardistes lui ont valu une reconnaissance internationale et ont redéfini les frontières de l'architecture écologique. Au cours de la décennie passée, son nom est devenu synonyme de bâtiment esthétique au concept futuriste qui intègre élégamment biologie et technologie et permet aux personnes de vivre et de travailler en harmonie avec la nature au milieu de métropoles mondiales. Ces diverses conceptions architecturales vont des bâtiments de services publics qui promeuvent la durabilité environnementale aux écopolis flottants pour loger les réfugiés climatiques et aux jardins amphibies flottants qui absorbent la pollution des voies d'eau européennes. Ces projets ont gagné une renommée internationale, ils ont reçu nombreux prix et ont largement attiré l'attention des médias. Donc effectivement, aujourd'hui, on essaie de redéfinir l'architecture sur des angles nouveaux et donc d'essayer un peu de transgresser, d'aller plus loin par rapport aux règles qui avaient été établies par nos anciens. Et donc de ne simplement pas considérer l'architecture comme des enveloppes de vécu, mais aussi d'inventer des architectures réactives qui puissent interagir avec l'environnement et qui puissent arriver à apporter une empreinte positive dans la ville en réintégrant la nature et les nouvelles technologies. Monsieur Callebaut est très conscient de la nécessité pour la société d'évoluer vers une plus grande durabilité, en particulier en cette période très dangereuse pour notre planète, où le changement climatique s'accélère et ses effets ont un impact négatif sur des milliards de personnes à travers le monde. Cette prise de conscience se traduit dans ses conceptions architecturales qui s'inscrivent dans les milieux urbains classiques d'aujourd'hui, tout en contribuant de manière constructive à la santé du milieu environnant. Donc on essaye de faire des projets qui sont avant-gardistes mais qui correspondent à la société d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se trouve un peu à un carrefour de crise entre une économie balbutiante et un nouveau transfert des nouvelles normes écologiques. Et donc on essaye de proposer des architectures qui inventent des nouveaux modes de vie et qui disent voilà, aujourd'hui on vit selon les modes de vie qu'ont connus nos parents et nos grands-parents, mais demain et dès après-demain on pourra vivre de nouvelles façons avec des bâtiments dans lesquels on pourra cultiver son propre jardin, son propre verger, créer sa propre alimentation, qu'on pourra aussi vivre suivant des nouveaux processus nomades sur des villes flottantes, qu'on pourra aussi vivre dans des bâtiments qui soient dépolluants, qui absorbent la pollution générée par le monde d'aujourd'hui, et donc qui soient des architectures à émissions de carbone zéro, qui créent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. En 2000, M. Callebaut, alors étudiant à l'Institut Victor Horta à Bruxelles, en Belgique, a remporté le premier prix René Serrure, un prestigieux prix d'architecture pour son projet d'étude. Cette distinction lui a permis de promouvoir son brillant concept de bâtiment au niveau international, comme son idée de ville sous-marine ingénieuse pour 50 000 habitants appelée Elasticity. Donc effectivement j'ai été diplômé en juin 2000, donc il y a presque 10 ans pile, en proposant un concept alternatif pour le musée des arts et civilisations Quai Branly, qui a été construit par l'architecte Jean Nouvel sur les quais de Seine, où en fait au lieu de créer un musée traditionnel avec 90% des réserves qui sont enfouies dans le sol et 10% de la collection qui est exposée en surface, on a proposé de faire un musée où toutes les salles d'exposition étaient sur des bateaux. Et ainsi, on permettait d'extravertir la culture du centre-ville et d'organiser différentes expositions temporaires dans les banlieues et dans toute la France entière en utilisant les voies de transport fluvial comme artère qui viendrait irriguer de culture toute la France et l'Europe.
Influencé par ses grands-parents artistes, M. Callebaut a appris, dès son plus jeune âge, à apprécier les détails subtils et exquis de la nature, dont la beauté et l'ingéniosité sont par la suite devenues une source d'inspiration pour ses conceptions architecturales. Depuis ma plus jeune enfance, j'ai été influencé notamment par mes grands-parents qui étaient peintres, à analyser la nature, analyser ce qu'il y avait autour de moi et à retranscrire sur des dessins. Donc j'avais à la base un parcours qui était parti dans le sens des beaux-arts. Et donc là, j'ai appris simplement à observer ce qu'il y avait autour de moi. Ensuite, plus tard, après pas mal d'expositions sur le thème du graphisme, en ayant fait mes études d'architecture, j'ai commencé à analyser les structures du vivant et à créer des architectures qualifiées de bioniques, c'est-à-dire qui s'inspirent des structures du vivant pour les retransposer en architecture et en urbanisme à plus grande échelle. M. Callebaut cite également des esprits créatifs tels que le célèbre cinéaste Stanley Kubrick et le scientifique informatique et cognitif John McCarthy comme ayant influencé son travail. Mais l'influence peut être encore plus évidente est celle de l'éminent biologiste allemand Ernst Haeckel, dont les premiers travaux en biologie ont directement influencé l'éco-projet de Vincent, Physalia. On essaie de travailler de façon transdisciplinaire et donc on s'intéresse à des modèles qui ne sont pas de notre milieu mais qui proviennent soit du monde biologique, soit du monde artistique, soit du monde des cinéastes. Et donc effectivement, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Ernst Haeckel, c'est un biologiste du début du siècle qui a analysé des structures micro-marines à grande échelle. Et donc on s'inspire justement, notamment par exemple pour le projet Physalia, de ces différentes études de microsquelettes pour analyser comment on peut construire des architectures avec un minimum de matière, avec le plus d'intelligence. Parce que ce qui nous plaît en fait, c'est que l'architecture devienne à son tour un organisme vivant, comme l'est un être humain. Après le court message suivant, nous poursuivrons notre entretien captivant avec le célèbre architecte visionnaire Vincent Callebaut. Alors restez avec nous sur Supreme Master Television. De retour dans Technologie de l'âge d'or, alors que nous continuons notre discussion avec l'architecte avant-gardiste Vincent Callebaut. Né en Belgique et résidant actuellement à Paris, en France, Vincent Callebaut a créé les conceptions architecturales futuristes destinées à différentes villes à travers le monde. Ses projets les plus récents incluent Antismog, un centre de développement durable conçu pour Paris, Dragonfly, une ferme pour l'agriculture urbaine conçue pour la ville de New York, aux États-Unis, et Physalia, un jardin amphibie flottant pour nettoyer les voies d'eau de l'Europe. Maintenant, il évoque Lilipad, une écopolis flottante pour les réfugiés climatiques et d'autres personnes. Moi, ayant vécu à Bruxelles, ayant vécu en Chine, ayant vécu maintenant et vivant maintenant actuellement à Paris, on s'aperçoit qu'à Paris, il y a une densification de la population de plus en plus forte. Donc les immeubles sont de plus en plus segmentés, les habitations sont de plus en plus petites et les gens donc vivent de plus en plus proches. Ce qu'on reproche souvent au fait de vivre dans la grande ville, c'est qu'on se retrouve plus face à la solitude alors qu'on est plongé dans une densification humaine très forte. Et donc on essaye d'étudier aussi en ramenant la nature au cœur de l'urbanisme, de rassembler ces gens autour de différents espaces de convivialité qui va du jardin individuel, du verger, du potager, aux champs d'agriculture. Donc aussi ça va être une ville solidaire. Voilà, donc on milite aussi pour des villes solidaires où les gens de toute ethnie, vu que ces villes sont nomades, pourront venir habiter des gens qui vivent là 3 mois, qui vivent là 1 an, qui sont des réfugiés climatiques, qui sont des gens qui viennent des différentes capitales, qui sont des scientifiques qui étudient le milieu marin. Et c'est un peu une ode à la diversité humaine. Ça veut dire un monde sans frontières. Voilà, un monde sans frontières, qui soit plus tolérant et qui, en accord avec la nature, en symbiose avec elle, arrive à donc créer des nouveaux modes de vie. Un aspect fondamental du rêve de Vincent Callebaut pour une société pleinement durable est l'intégration de l'agriculture biologique dans des environnements urbains où la nourriture est cultivée à l'intérieur des bâtiments
et les agriculteurs des centres-villes interagissent avec les hommes d'affaires. Cette idée est incarnée dans le projet Dragonfly pour New York aux États-Unis. Nous proposons dans ce mouvement de retour à la nature et de la réappropriation du savoir bien manger, de cultiver soi-même ses aliments pour savoir ce qu'on mange. Et donc, où il y aura en fait des coopératives où les agriculteurs viendraient aussi se réapproprier la ville, et où on ne rejetterait plus directement les agriculteurs et les fermiers dans les campagnes, mais où on réinsufflerait les campagnes dans la ville avec les agriculteurs qui côtoieraient les hommes d'affaires de Manhattan, qui côtoieraient les différentes ethnies multiraciales qui habitent le Queens. Et donc où tout ça essaye de faire des nouveaux métissages ethniques qui est un peu le futur de la ville de demain. Oui. Un trait distinctif de l'architecture de M. Callebaut est la présence des couleurs vives. De brillantes teintes de vert et de bleu nourrissent des paysages sublimes où des communautés urbaines vivent dans une tranquillité paisible et où la nature et la technologie coexistent en parfaite harmonie. Dans tous nos projets, on essaie de mettre un maximum de vie, donc c'est un peu notre hypothèse de base, c'est de dire on ramène la nature dans la ville, et en ramenant la nature dans la ville, on va ramener toute sa biodiversité, la faune et la flore, et on va s'éloigner des villes construites simplement de verre, de métal et de béton, en réintégrant toutes les couleurs, toute la richesse des écosystèmes au sein de la ville. Et donc on ne fait plus du tout la différenciation dans notre travail entre la ville et la campagne, la ville et la banlieue, les différents quartiers monofonctionnels. On vient créer un grand mixing urbain, une jungle urbaine, où tout vient se métisser, se mélanger, pour justement réapprendre à vivre ensemble, en équilibre avec la nature. Oui. Ce ne sont pas seulement les bâtiments multifonctionnels qui contribuent à une vie paisible dans le monde de Vincent Callebaut. Il imagine les habitants des villes interagissant de façon constructive avec ces structures, plutôt que d'être simplement des visiteurs d'un bâtiment. Donc c'est aussi le fait que ça soit dans une ferme verticale, dans une ville flottante, dans un bâtiment dépolluant, dans un musée, on essaie toujours que le citoyen soit acteur du projet et pas simplement visiteur. Donc que le citoyen, par exemple, puisse générer sa propre scénographie muséale, puisse générer sa propre alimentation, puisse générer ses propres lieux de convivialité, son propre travail, inventer aussi de nouvelles façons de travailler, de dire qu'on n'est pas obligé de travailler dans des espaces de bureaux qui sont monofonctionnels, de dire qu'on peut travailler chez soi, de créer de nouvelles plateformes de travail et donc un peu d'exploser tous les rituels qui sont un peu rentrés dans le commun ordinaire des choses. Oui. Donc on peut dire aussi que l'architecture, pour vous, est quelque part un moyen pour changer le monde, pour le mieux. Oui, voilà. Donc en fait, nous, c'est vrai que c'est notre art, notre outil de propagande pour dire, voilà, on utilise l'architecture pour émettre des idées beaucoup plus larges et pour dépasser les frontières d'une discipline artistique. Merci Vincent Callebaut d'avoir partagé votre vision céleste avec le monde. Elle offre un aperçu de l'âge d'or qui nous attend tous. Nous sommes impatients de voir le jour où vos rêves architecturaux deviendront réalité. Pour plus de détails sur Vincent Callebaut, veuillez visiter www.vincent.callebaut.org. Rendez-vous vendredi prochain dans Technologie de l'âge d'or pour la deuxième partie de notre programme, au cours duquel M. Callebaut présentera en détail quelques-unes de ses créations exceptionnelles. Téléspectateurs aimants, merci pour votre compagnie aujourd'hui dans Technologie de l'âge d'or. Dans un instant, sur Supreme Master Television, retrouvez Végétarisme, le mode de vie noble, après nouvelle exception. Que tous les êtres jouissent d'une plus grande harmonie sur notre demeure planétaire chérie. Loving viewers, thank you for your company today on Golden Age Technology. Next up on Supreme Master Television is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after noteworthy news. May all beings
enjoy ever greater harmony on our cherished planetary home. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GAT.